Nous allons lire à partir du livre de l'Apocalypse de Jean, chapitre 1, verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans la main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'as pas abandonné. Mais c'est ce que j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et tes calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours, une souffrance. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entend ce que dit l'Esprit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Amen. Ce sont ici les derniers jours. Selon sa bonne volonté, il a permis que soit écrit par le Saint-Esprit l'Apocalypse de Jean, donc la révélation à Jean, pour qu'il puisse nous la raconter, ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe sur la terre. Comment Dieu agit, comment la parole agit et le Saint-Esprit. Et deuxièmement, qu'il nous révèle ce qui se passe sur la terre et surtout à nous, ces derniers jours que nous passons et ce qui va arriver dans le futur, après l'enlèvement de l'Église sur la terre. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce que Dieu nous révèle, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Et Dieu s'adresse à l'ange de l'église d'Éphèse et de Smyrne. Et l'ange de l'église est celui qui a le pouvoir, parce que Dieu le garde dans sa main droite. Et nous tous, nous avons une forme de pouvoir. Parce que le pouvoir vient de la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Les pères ont le pouvoir dans leur maison parce que leur pouvoir vient de Jésus-Christ et par la parole de Dieu, parce qu'il nous certifie que le chef de la famille, c'est le mari. Et le pouvoir qu'ont les femmes sur leurs enfants, parce que leur pouvoir vient de la parole de Dieu qui dit, il les établit femme qui surveille son foyer. Et nous savons que où sera nos pas sera offert à nous, là où nous irons, là où nous marcherons. Dieu nous ouvrera la porte et il nous donne aussi ce pouvoir-là de tout ce que nous faisons, qu'il soit une réussite. Et nous avons aussi le pouvoir dans notre propre vie, surtout
Et c'est pour ça, pour la grâce de Dieu, nous allons parler de cela aujourd'hui. Nous avons le pouvoir dans notre vie personnelle. Chers frères et chères sœurs, jeunes et plus âgés, tu as un total pouvoir sur toi-même et tu as une totale liberté comme résultat. Tu peux que ton parcours soit effacé et seulement toi-même tu peux l'effacer. Tu peux. Ta vie, la destinée, la prédestinée, et seulement toi-même tu peux la prédestiner. Ou bien, en étant guidé par la parole de Dieu, être dirigé par le Saint-Esprit, et que tu t'efforces de rentrer par la petite porte et de suivre le chemin difficile qui ne te plaira sûrement pas. À personne ne plaît de rentrer dans ce qui est difficile dans la parole de Dieu et de marcher et de suivre un chemin difficile pour Dieu, pour son salut. Et ce qui plaît ou pas, ça a à voir avec notre propre cœur. À nous tous, nous plaît la belle vie et le parcours facile. C'est une question de choix et de décision personnelle. Avec le pouvoir que Dieu nous a donné par sa parole. C'est ce pouvoir-là que nous avons de choisir et d'être libres de choisir. Et quel est le résultat? L'église de Éphèse et les promesses de Dieu, qui est la terre promise, je vais donner à celui qui va vaincre parce que c'est un combat. Nous avons à faire un combat. Celui qui va vaincre, il pourra manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Et le paradis, chers frères et sœurs, le premier paradis était à Éden, où il a établi Adam et Ève. Le paradis pour l'Église de Jésus, le paradis spirituel est l'Église de Jésus-Christ vivante. Et sa maison, c'est la colonne de la vérité. C'est l'arbre de vie. Et librement, tu peux manger. Mais Adam et Ève, après leur transgression, ils ont été chassés du paradis. Ici, maintenant, nous... Il nous a apporté dans l'Église pour que nous puissions manger de cet arbre de vie, pour que nous puissions bénéficier de sa bonté, la bonté de Dieu, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, la force de Dieu et la présence de Dieu. Nous sommes dans l'Église. Nous participons, nous avons été ajoutés à l'Église. Et l'Église de Smyrne, à celui qui va vaincre, il ne sera pas traité injustement. C'est une promesse de Dieu et une promesse de la vie éternelle, où nous serons, nous régnerons, et nous ne savons pas exactement comment nous serons, mais nous savons une chose, que nous serons identique à Jésus, autant que Jésus est roi et seigneur des seigneurs, de la même manière, la parole nous certifie que nous régnerons avec lui. Il y a d'autres promesses aussi, mais ces deux promesses, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est de manger de l'arbre de vie, déjà maintenant, pour les siècles des siècles. Et d'être roi du Très-Haut, de maintenant pour les siècles des siècles. Et tout cela avec une obéissance et une mise en œuvre de la parole.
une mise en pratique de la parole. Et comme un membre de la famille, comme un membre d'une association, et comme un membre de l'Église, comme un diacre, ou comme un ancien, ou comme un pasteur, comme un évangéliste, comme quelqu'un qui a des dons du Saint-Esprit, comme quelqu'un qui a une dimension spirituelle, et dans ta vie personnelle et dans ta vie familiale. Et cela va dépendre. La seule raison pour que tu puisses bénéficier dans ta vie totalement, complètement, la gloire de Dieu. Ce n'est pas une promesse de bénéficier de quelque chose de provisoire, mais la promesse est de bénéficier de quelque chose dans la présence de Dieu toujours. Mais la parole de Dieu et les promesses de Dieu et les actes de Dieu et du Saint-Esprit sont tellement sensibles que quelqu'un peut penser qu'il est parfait, quoique personne n'est parfait devant Dieu, nous le savons très bien, et qu'il ne trouve pas de défaut en lui-même, et que Dieu vienne et lui révèle qu'il ne va pas bien. Encore une fois, je vais le dire, ce que tu ne vas pas bien, et nous le savons. Nous le voyons en nous-mêmes, et nous le voyons peut-être aux autres. Nous le voyons, le père voit dans sa famille, si sa famille ne va pas bien. Cela se voit très bien. La mère voit si ses enfants vont bien ou pas. Et pas à la fin, mais déjà le début, ils voient cela. Et quelles sont ces caractéristiques? Ils suivent les indications avec confiance, sans remarque et sans hésitation, sans grogner, mais avec joie, gloire et en chantant des hymnes, en louant Dieu. On voit celui qui est fervent et celui qui est tiède. Se voit celui qui est ardent pour la parole et celui qui est tiède. Et à moi-même, je peux le voir et je peux voir cela aux autres aussi. Peut-être que le cœur, chacun connaît son cœur. Mais mon parcours, si je boite, si je suis en retard, si je ne suis pas, c'est moi qui sais le discerner. Je sais si je vais bien ou je ne vais pas bien. Mais certaines fois, chers frères et sœurs, Dieu vient et nous dit, « J'ai quelque chose contre toi. Il y a quelque chose de petit que tu n'as pas compris. » C'est pour cela que nous avons toujours besoin de Dieu. Nous avons toujours besoin que le Seigneur nous fait un examen. Et heureux est celui qui est examiné par Dieu. Dieu examine et il contrôle. C'est quelque chose qu'il est sous sa domination. Et ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, seulement ceux-là sont des êtres et des enfants de Dieu. Donc ils ont assuré pour eux l'enlèvement de l'Église et le royaume céleste. Ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, seulement ceux-là sont des enfants de Dieu. Et si vous êtes guidés par le Saint-Esprit, marchez selon le Saint-Esprit. Donc, en venant en contact avec une relation personnelle avec Jésus, et Jésus avec le pasteur de l'église d'Éphèse, il lui dit, « Moi est celui qui tient ta main, comme je tiens la main de tout le monde. » Et
Moi, je suis celui qui marche parmi les églises, et je suis très bien, je connais très bien tes œuvres. C'est pour cela que nous ne devons jamais juger, et cela est très important dans notre vie. Quelqu'un est venu me dire, tu sais que cette sœur-là a beaucoup d'argent et elle ne donne pas d'argent. Et je lui dis, tu sais que tu ne sais pas combien elle donne. Jamais nous devons juger selon ce que nous voyons. C'est pour cela que Dieu ne veut pas que nous jugions parce que nous ne savons pas tout. Dieu désire seulement notre foi, notre confiance et notre patience à Dieu. L'apôtre Paul nous dit, le bon combat, la bonne œuvre j'ai accomplie, les bons efforts j'ai faits, j'ai gardé ma foi. J'ai sauvegardé ma foi, comme l'a gardé l'église d'Éphèse, son pasteur et son église. Mon chemin est terminé, parce que nous n'allons pas au ciel sans faire de combat et d'efforts. Et Dieu a préparé un chemin pour chacun de nous jusqu'à la fin. Je connais tes œuvres, je connais tes efforts et ta patience. Je sais que tu ne peux pas être associé avec les méchants. Je sais que tu as un esprit et un discernement de vérifier ceux qui sont et qui ne sont pas des frères. Je sais que tu as souffert dans ton effort. Je sais que tu as souffert dans ton combat, mais tu n'as pas perdu la foi. Mais j'ai quelque chose qui est très important. L'amour que tu avais en moi, tu l'as laissé. Tu ne me suis pas comme tu me suivais au début de ta foi. Ton amour a changé. Tes relations avec moi ont changé. Et tu n'es plus guidé comme auparavant. Tu ne veux pas vraiment marcher sur une terre aride et difficile. Tu es devenu un chrétien qui veut passer une bonne vie. Tu préfères l'opulence au sacrifice. Tu veux plutôt le repos au travail. Tu as changé à l'effort. Et essaye de changer de nouveau. Repens-toi de nouveau, parce que je vais déplacer ta lampe de l'endroit où elle est, parce que tu perdras ton pouvoir et ton œuvre. C'est-à-dire, tu perdras ta famille, frère. Tu perdras tes enfants, sœurs. Est-ce que nous comprenons combien est important le message d'aujourd'hui? Tu perdras ta femme, frère. Tu perdras ton mari, sœur. Nous perdrons nos âmes, chers frères et sœurs, si nous ne revenons pas sur le chemin, sur le parcours de Dieu, et si nous ne faisons pas nos premières œuvres que nous faisions lorsque nous avons connu Jésus-Christ. Dans la totale obéissance, grâce à laquelle viennent, en cherchant Dieu, il répond à ceux qui le cherchent de nouveau. Nous savons si dans tout ce que nous faisons est bon ou pas. Et l'important est combien nous cherchons, comme nous avions cherché au début Jésus-Christ. Combien nous cherchions la parole de Dieu, comment nous cherchions la prière, combien nous cherchions d'être dans les psaumes et dans la louange de Dieu, combien nous prions, combien nous glorifions Dieu, combien nous servions Dieu, combien nous courions pour Dieu. Nous le savons, chacun personnellement le sait pour lui-même. Et maintenant vient Dieu. Et il vient nous faire sonner la cloche. Parce qu'il est donné que seulement à celui qui va vaincre
sera donné l'arbre de vie. Et même ici à l'Église et dans la vie éternelle, seulement celui qui vaincra, un nouveau début, retour à l'amour, au premier amour, retour aux relations avec Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, par l'amour, avec l'unité de la perfection qui est l'amour, pour que de nouveau, de bénéficier la grâce de Dieu, la bienveillance de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. Hier soir, dans la jeunesse, le groupe de jeunes, Dieu nous a donné un message. Mets quelque chose de prototype dans ta vie. Fais quelque chose qui est une référence. Et l'apôtre Paul dit, faites comme moi, imitez-moi, comme moi j'imite Jésus. Mets une référence dans ta vie. Et quand je suis rentré dans l'église, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ces personnes? J'ai approché certains, et j'ai vu les anciens, ceux qui annonçaient et qui prêchaient la parole. J'ai vu des personnes avec des familles bénies. J'ai vu des personnes qui servaient des églises qui étaient bénies. J'ai vu des femmes qui servaient du matin jusqu'au lendemain, et leur maison était ouverte aux frères. J'ai vu des hommes qui couraient, qui annonçaient la parole de Dieu et qui aimaient les frères. Et j'ai vu Dieu qui les bénissait tous. Et j'ai dit, moi et ma femme, Seigneur, c'est ainsi que je désire que tu nous fasses, comme ce frère-là, comme ce frère-là-bas, comme l'autre là-bas, comme cette famille-là, comme l'autre famille. Quelle est la référence, le prototype? À qui veux-tu ressembler? Veux-tu ressembler, que dirais-je, à un footballeur? À un chanteur? À un comédien? Veux-tu ressembler à quelqu'un de scientifique? Ou à un entrepreneur? À qui veux-tu ressembler? Moi, je veux ressembler, chers frères et sœurs, à Dieu, au Christ, au Saint-Esprit et aux personnes qui sont bénies de Dieu. Mais le frère que je vois près de moi, je le vois. Et dans l'Église, nous avons des prototypes, des références. Comme moi, lorsque je suis rentré dans l'Église, j'avais 29 ans. Et je voyais des enfants qui priaient, qui disaient, j'entendais ma femme qui disait, « Fasse que je devienne comme un tel ou comme un tel. » Et comme nous le demandions, c'est ainsi que Dieu nous l'a donné. Et maintenant, tous ensemble, nous avons des prototypes, des références. Mets d'abord une référence dans ta vie, une personne qui est ardent dans ce qui est spirituel. Pour que ta vie change, et alors Dieu va t'établir une référence dans l'Église. C'est les mêmes paroles que disait l'apôtre Paul à Timothée. Toi qui es Timothée, deviens un modèle pour les autres et me ressemble à moi, imite-moi. Et Dieu désire que nous soyons des modèles pour qu'il puisse révéler sa gloire à tous les hommes par ces personnes-là. Modèle de l'Église, jeune, pasteur, ancien, diacre, jeune, marié, devenez des modèles. Devenez un modèle et soyez ardents. Ce qui est spirituel. Et mettez d'abord, pas des acteurs, ni des personnes lesquelles Dieu a donné des dons. Fasse que je sois un prophète comme celui-là. Fasse, Seigneur, que je sois un prédicateur comme celui-là.
Mais lorsque tu dis, fais-moi un serviteur comme lui, un serviteur total des travailleurs, je pourrais dire même des esclaves, mais c'est le mot est trop dur en français, des serviteurs. Et en grec, le mot doulos, ça veut dire esclave, mais je ne l'utiliserai pas, je dirais serviteur. Nous devons être des modèles. Choisis. Qu'est-ce que tu désires? Tu trouveras beaucoup de modèles dans l'église que nous sommes. Anna, elle a choisi qu'elle soit comme une telle sœur. Mais des personnes qui sont références dans l'église, choisis et que ta vie change. D'abord, le modèle d'amour et de fidélité et de service aussi. Et référence de soumission. Mais, et tu trouveras quelqu'un à qui tu pourras vouloir ressembler. Ne laisse pas ton premier amour s'éteindre et que vienne en toi ce qui va vers la pour s'éteindre, ce qui est tiède et qui va vers le froid. Rechauffe tes relations spirituelles. J'ai vu tes douleurs. Je sais que tu es riche. Je sais qu'il y en a qui t'accusent, qui disent qu'ils sont juifs, mais qu'ils ne sont pas, et c'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce qui vont arriver, ce qui va arriver. Parce que moi, j'ai permis, Dieu, que le diable mette certains parmi vous en prison et que vous soyez éprouvés. Et vous aurez des douleurs pendant 10 jours. Et cet ange qui avait le pouvoir, il ne dira pas à Jésus, j'ai vu ta foi, mais c'est dans la foi que tout est changé. Il abandonne facilement. Et Dieu désire l'augmenter, le relever dans la patience. Et la patience pour le chrétien est quelque chose de très important. C'est peut-être pour ça que tu ne peux pas bénéficier des promesses de Dieu. Mais Dieu qui aime, il nous enseigne. Tu n'as pas de patience, demande. Je t'en donnerai. Si tu ne m'en donnes pas, il y aura la souffrance. Et la souffrance va te faire venir dans la patience, va te donner de la patience. Donc maintenant, Dieu désire que nous évitions de passer par la souffrance, mais de demander directement ce que nous avons besoin et ce que nous voyons en nous, ce qui nous manque. Une autre souffrance que Dieu nous apporte, c'est pour nous corriger la patience. J'ai gardé ma foi, dit Paul, jusqu'à la fin. Et pour ne pas abandonner sa foi jusqu'à la fin, à cet ange-là de l'Église, donc au pasteur de l'Église, laquelle est influencée, il influence par sa vie l'Église, comme le Père influence par sa vie la famille, sa famille, chacun qui a le pouvoir influence totalement à celui à qui il a le pouvoir. C'est pour cela qu'il nous dit la parole. Deviens fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à la fin, alors tu recevras la couronne du salut. Si tu n'es pas jusqu'à la mort fidèle, les choses sont difficiles alors. Deviens fidèle jusqu'à la mort.
Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu désire deux choses aujourd'hui. De demander pour qu'il augmente nos relations, pour qu'il élève nos relations, pour qu'il nous rassemble mieux et que nous devenions un modèle. Et nous devons abandonner notre nature qui devient froide, tiède, avec une totale obéissance et être guidé totalement par le Saint-Esprit, c'est-à-dire aimer Jésus-Christ, comme lorsqu'il nous a sauvés, et de prendre de la force par le Saint-Esprit et de la patience d'avancer. Et nous allons avancer, et nous allons marcher bénis, et nous allons arriver glorieux, et nous allons entrer dans le royaume céleste avec beaucoup d'abondance. Amen. Oui, Seigneur. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa parole.